Bonjour, de retour sur le JF17, je refais la vidéo concernant les bombes planantes et la façon de les utiliser quand on veut utiliser une bombe planante par objectif. Alors, c'est valable pour ce type de bombe. Nous avons donc ces bombes-là qui sont des bombes, les bombes LS6. Voilà, on en a quatre, donc on peut traiter quatre objectifs, mais c'est aussi bien sûr valable pour ces bombes-ci, donc pour les GB6. Dans ce cas-là, on ne peut traiter bien sûr que deux objectifs. Donc on va voir comment faire. La précédente vidéo était un peu confuse et inutilement compliquée. C'est beaucoup plus simple, je vais vous montrer. Donc on va attaquer. Bon. On va attaquer ici avec des GB6, cette zone ici, cette zone-là et cette zone-là. Alors pour ce faire, on pourrait poser des points PP. Vous vous souvenez qu'on peut utiliser les points PP1, PP2 pour traiter les deux premiers objectifs, mais aussi PP3 ou PP4 si on est par exemple avec les bombes LS6, qu'on en a 4 et qu'on veut traiter 4 points différents. Donc on peut le faire en utilisant ce petit onglet ici et poser nos points sur les zones que l'on veut attaquer. Ce n'est pas ce que je vais faire. Nous allons lancer le vol et nous allons le faire dans ces conditions-là. Nous sommes moteur tournant au parking. Nous voilà dans notre avion. Nous n'avons pas de cartouche enclenchée. Pour l'instant, nous n'avons pas d'armement. Donc, je vais sélectionner mon armement. Je vais aller, hop, demander menu parent, équipe au sol. Réarmer, faire le plein. Je vais sélectionner mes GB6 SFW avec les sous-munitions les plus sympathiques à utiliser. Voilà, on va se mettre un missile infrarouge sur le bout des ailes. On va pas prendre de bidon, c'est pas nécessaire. On va pas bien loin. Voilà. Notre première bombe. Notre deuxième bombe. Notre premier missile et le deuxième va être mis. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on indique les points d'attaque. Alors, je vais vous le faire de deux façons différentes. Alors, la première façon, la plus simple, on ne s'emmerde pas. On prend le petit cercle ici, on le positionne au milieu de la zone à traiter, comme on est avec des bombes à sous-munitions. On se met ici, on tape PP1. Vous pouvez faire exactement la même chose sur la deuxième zone, c'est-à-dire vous appuyez ici, vous posez un point, vous l'appelez PP2, exactement de la même façon. Pour le PP2, on va le faire différemment. Alors, je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais d'abord avoir besoin de coordonnées, les coordonnées du point ici. Alors, vous avez deux solutions pour les coordonnées du point. Vous positionnez votre souris ici et vous avez les coordonnées qui sont là. Donc, vous les mémorisez avec votre petit bloc-notes. Vous les mémorisez 45, 0. Alors 45 degrés 0 minutes 36 secondes nord, 37 degrés 29 minutes 56 secondes est et altitude 43 mètres. Ce n'est pas la méthode que je vais utiliser. Alors on pourrait l'utiliser ici pour des bombes planantes à sous-munitions, ce n'est pas gênant. Mais si vous utilisez une bombe planante classique sans sous-munitions, il faut que vous soyez extrêmement précis pour taper un objectif. Un bâtiment, un avion c'est tout petit. Et si vous positionnez ici, vous avez des coordonnées. Mais je vais vous montrer que ces coordonnées ne sont pas si précises que ça, celles qui sont affichées ici. Je vais vous montrer comment on peut s'en apercevoir. Alors pour ce faire, il vous faut éventuellement, pardon, un petit outil, voilà, qui s'appelle DCS Scratchpad. Il suffit de taper DCS Scratchpad dans votre moteur de recherche, vous allez tomber ici. Vous êtes sur la version 0.6. Il suffit de la télécharger, d'aller sur les tests et puis de descendre. Vous téléchargez le source code et vous avez un petit. On peut le faire. Hop, alors il y est déjà, c'est pas grave. Voilà, c'est tout petit. Vous avez un fichier zip, vous ouvrez ici.
Ça vous explique comment le faire fonctionner. Donc, il suffit de mettre script ici dans votre répertoire. Donc, je vous montre. Vous mettez dans votre C. Donc, utilisateur, votre compte, hop, toc, 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 partie enregistrée, votre DCS ou DCS Open Beta. Et là, vous prenez le fichier script, hop, vous le mettez, vous voyez que vous avez déjà un répertoire script, donc il va se glisser à l'intérieur, il n'y a pas de problème, vous prenez script, vous le mettez ici, vous relâchez, ça va copier à l'intérieur de script tout ce qui est nécessaire. Je ne le fais pas, je l'ai déjà fait. Donc après, une fois que vous êtes en jeu, vous avez lancé votre jeu après avoir installé ce petit mode, vous faites contrôle gauche, shift gauche, plus touche X. Alors, par contre, il faut d'abord se mettre, voilà, sélectionner l'écran. Et là, vous voyez que j'ai déjà des données qui étaient dedans, je les efface. Ce que je veux maintenant, moi, c'est avoir les coordonnées de mon point d'attaque ici. Alors, j'appuie ici. Ça met en fonction ce petit point, vous voyez, ce petit point blanc, que vous allez pouvoir positionner à l'endroit où vous voulez mettre un point d'attaque. Hop. Et vous appuyez ici sur L, L, et vous avez les coordonnées dans plusieurs formats qui sont mémorisés. Alors, je vais vous montrer quand même pour ce que je disais tout à l'heure, on va faire un peu de place, ça c'est mes premières coordonnées, mais si on veut prendre un point comme par exemple ce petit bâtiment, ici, je zoome à fond, je vais être au milieu de mon petit bâtiment, ici si je mets mon curseur, vous voyez qu'en haut j'ai 450040, 37, 20, 30. Si je rappuie ici pour mémoriser, j'ai de nouvelles coordonnées, vous verrez la différence. 45, 0, 0, 40, 63 centièmes de seconde. Vous avez une précision supérieure à celle que vous avez avec le curseur ici. Et ça, c'est important pour avoir un peu plus de précision pour que votre bombe touche facilement son objectif. J'ai vu par exemple que si je faisais mon attaque ici, sur ce silo, en mettant mon curseur, eh bien, je ne tapais pas le silo, je tapais un peu avant. Tandis que quand je prends cette méthode avec le point que je mets bien au milieu, et quand je rentre mes coordonnées précisément, eh bien là, je tape le silo sans problème. Donc voilà à quoi ça peut servir. Une fois que c'est fait, donc ça, on n'en a plus besoin, c'était le petit bâtiment, mais par contre, mon point d'attaque est ici. Donc, comment on rentre ces coordonnées dans l'ordinateur de notre avion? Donc là, hop, on est là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rentrer ma cartouche. Dans ma cartouche, actuellement, je n'ai que ce point-là. On va bien vérifier tout ça. Je rentre ma cartouche. Voilà, j'appuie ici sur All et je fais Entre. Je vais faire disparaître le petit point. Le petit point est valable et utilisable aussi en vol, hein, si vous pouvez l'utiliser. Il suffit de cliquer ici pour le retirer. Donc là, il est en train de me rentrer toutes les infos d'armement et les points que j'ai rentrés. Là, j'appuie sur Air Ground parce qu'il vient de s'apercevoir que j'ai les missiles sous les ailes. Donc pour limiter les jets en combat, on se met ici sur Air Ground. Voilà, donc là, c'est bon. Je vais appuyer sur 7. Donc, je vais mettre... Ici, j'ai une bombe. Je vais mettre en mode PP, puisque c'est le mode d'attaque. Je vérifie quand même que ça soit pris en compte. Vous voyez qu'ici, c'est pris en compte, puisque j'ai les pointillés. Je vais mettre la map. Donc, j'ai un point qui est pris en compte, le premier. Alors, comment je sais que c'est le premier? J'appuie sur Dest. Ici, je vais descendre jusque vers 36, 37, 38, 39, qui sont les points d'attaque pour les bombes planantes. Vous voyez que 36, j'ai mon premier point. Mais je n'ai pas de deuxième point d'attaque. Le deuxième point d'attaque pour ma deuxième bombe planante, je vais vouloir le rentrer à la main. Alors pourquoi je m'ennuie comme ça avec ça? C'est que souvent, quand vous êtes en jeu, vous voulez attaquer une zone, vous apercevez qu'au moment où vous décollez, eh ben, la zone n'a pas été attaquée par quelqu'un d'autre. Et puis quand vous avez
pris votre envol, vous rendez compte que la zone a été attaquée par quelqu'un d'autre et que c'est con parce que vous avez une bombe, vous avez rentré les coordonnées avec le petit cercle sur la carte F10 et que vous ne pouvez pas le changer. Ben si, vous pouvez le changer, il suffit de se mettre là. Ou je voulais changer, moi je veux changer par exemple les coordonnées 37. Ici je ne vais pas les changer, mais je vais rentrer une valeur dedans. Donc, je mets sur 37 ici, vous voyez que j'ai ici ça clignote. Donc j'appuie sur F9, on va bloquer le track, j'appuie sur cette flèche, je rentre mes coordonnées ici, 45, 0, 0, 36, j'ai une possibilité supplémentaire, donc 36, 7, je rentre mon 7, après le 1, je ne peux pas le rentrer, je clique ici, voilà, c'est pris en compte, c'est nord, c'est bien nord. Si vous voulez être sur sud, il suffit d'appuyer ici. Donc on reste sur nord. On rentre la même chose. Ici, par contre, il faut mettre un 0 devant 37. 0, 37, 20, 56 et 44. Voilà, je fais ici pour valider. On est est. Voilà, c'est bon. Maintenant, pour l'altitude, ici, on est à 141 pieds. Donc je tape 0, 0, 141 et je fais entrer. Voilà, donc mes coordonnées 37 sont bien entrées. Vous voyez qu'elles sont ici dans l'ordinateur de bord. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'elles sont bien prises en compte. Là, je fais return. Voilà, ici, je rappuie sur SMS. Je n'ai plus besoin de faire afficher mon scratchpad, donc je fais CTRL SHIFT X, j'en ai plus besoin. Donc voilà, là j'ai rentré mon deuxième point d'attaque. Alors, le réglage, il faut se mettre en mode PP, mais ici je ne touche pas quantité puisque je vais avoir une bombe par cible, je ne vais donc pas lancer mes bombes par paire. Je touche à rien d'autre, je peux aller sur CTRL, ici je pourrais régler la première bombe, mais je ne vais pas le faire maintenant. Je vais vous montrer, parce que là, actuellement, quand on est au sol, je vais vous montrer une chose. La touche qui permet de sélectionner les stations, les pylônes, les bombes sur les pylônes, c'est la même touche que la NWS, celle qui permet de libérer la roue de nez. Quand on est en sol, quand on appuie sur cette touche, c'est NWS qui est pris en compte. Vous ne pouvez pas sélectionner une autre bombe. Alors que quand on est en vol, NWS ne sert plus à rien. On sélectionne les différents pylônes. Donc on peut faire les réglages pour les différentes bombes. Voilà. Donc je ferai ces réglages en vol. Là, j'ai juste changé PP pour vérifier que c'était bien pris en compte dans la mémoire de l'ordinateur, parce que des fois, ça ne marche pas, c'est pas pris en compte. Donc si vous ne voyez pas votre zone d'attaque pour la première bombe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on va décoller, on y va, on va mettre le Master Arm sur ON pour ne pas l'oublier, et on va décoller pour... On ne va pas faire de procédure radio, on s'en fout. Et on va aller faire notre attaque. Alors, je vous montre aussi quelque chose avec Scratchpad, c'est que vous avez des coordonnées sous différentes formes. Ici, vous avez des coordonnées qui peuvent être utilisées, par exemple, pour le F-16. Donc bien faire attention, hein. Il faut, pour le JF-17, c'est sous cette forme-là, degré, minute, seconde, centième de seconde, alors que pour le F-16, on est sur degré, minute et centième de minute. Voilà, petite précision. Donc vous avez remarqué aussi que finalement, rentrer les coordonnées directement dans l'ordinateur de bord de l'ordinateur de l'avion, pardon, c'est pas quelque chose de compliqué, ça peut se faire très rapidement, encore plus avec ce petit outil, ce petit script, si vous l'avez rajouté à votre DCS. Dans notre cas, avec la GBU-6 à sous-munition, la précision n'est pas trop importante. Par contre, avec les autres bombes planantes, qui n'ont qu'une charge, là par contre, la précision est très importante. Voilà, j'enlève le NWS, je vais décoller, et on va faire le réglage de nos bombes. Là, on appuie, on rentre le train,
On va réduire un peu l'échelle ici. On va caler cette ligne pointillée sur le nord. Allez, hop, on monte, on bloque le virage, le taux de montée, voilà. Et on va régler ici, donc on s'est mis sur CNTL, on est sur la première bombe, donc channel 36, c'est ce qu'on a vu. La deuxième, j'appuie sur le bouton NWS, je suis bien sur la deuxième bombe, je suis là, channel 36, je vais passer sur le 37. Voilà, je vais changer l'hauteur d'ouverture des bombelettes. Je vais mettre le plus haut possible, 999. Je vais revenir sur la première parce que je ne l'avais pas fait. Et je règle aussi 999. Voilà. Donc maintenant, je peux vérifier qu'on pointe bien deux endroits différents. On va vérifier, on appuie sur le bouton NWS. Vous voyez que ça bouge très légèrement, donc on a bien deux objectifs différents. L'objectif que j'avais marqué sur la carte F10 a bien été pris en compte, mais celui que j'ai rentré avec ses coordonnées manuellement dans l'ordinateur de bord a bien été pris en compte lui aussi. Donc vous voyez qu'on s'avance, on a ici le petit trait qui indique à partir de quel moment on pourra larguer nos bombes, c'est quand on aura notre ligne qui ne sera plus en pointillé. Donc on va se caler. Voilà, hop. Monter pas trop fort, sinon on va perdre trop de vitesse. On appuie sur autopilote, voilà. Et on attend tranquillement ici. Donc plus on est haut, hein, bien sûr, plus on peut tirer loin. Donc on peut monter relativement facilement jusqu'à 40 000 pieds, des fois même pas loin de 50 000. Voilà, alors vous avez de la buée sur votre verrière, vous appuyez sur des frogs ici. Voilà. Et tout en buée. Donc on peut réduire un peu l'échelle, voilà. Vous voyez qu'on arrive, voilà, on va arriver à la au moment, voilà, là, on a une ligne droite, je me mets en palier, j'appuie sur cette flèche pour me mettre en palier à 31 390 pieds. Voilà. Mais maintenant, bon, on peut réduire un peu notre vitesse et on va pouvoir tirer nos bombes. On est bien. Ici, la zone à partir de laquelle on ne peut plus tirer, mais on en est loin. Donc là, pas de souci. On va donc se mettre en vue extérieure. Voilà. Nos deux bombes. Vous allez voir que je vais tirer la première. Regardez le canal ici. On est toujours en PP mode. Hop, voilà. La première est partie. Je me remets sur CNTL. Et le deuxième est bien sur le 37, donc le deuxième objectif. Et je rappuie, voilà. Maintenant, je me mets en RR pour enlever l'alarme. Et je vais repartir, me poser. On va reprendre le cap de rentrée. On va réduire notre vitesse. Attention quand même à ne pas trop réduire la vitesse. On va mettre l'autopilote. On va descendre doucement en gardant le cap. Et on va regarder nos bombes. Voilà nos bombes. La première. La deuxième. Ils ont l'air de bien pointer à peu près en bonne direction. Celle-ci a repris le bon cap. Notre avion, ça va. Alors, la première va être celle-ci. Voilà, ça va s'ouvrir au-dessus de la cible. Voilà, vous voyez que ça s'est bien ouvert au-dessus de la cible DB1, celle qu'on a rentrée manuellement. Maintenant, notre deuxième. Là, les bombelettes sont en train de se préparer pour la première bombe.
ça va pareil s'ouvrir au-dessus. Voilà. Donc on a les premières bomblettes. Voilà, ça va commencer à péter. Alors, ça pète un peu partout, mais suffisamment au niveau de nos B1 pour les endommager. On va avoir la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, voilà. Pour les F-35, c'est pareil. Et c'est très efficace pour endommager, voire détruire. Donc voilà, la procédure pour les bombes LS6 est exactement la même, sauf qu'au lieu de traiter 2 points, ben vous traitez 4 points si vous avez 4 bombes LS6. Alors les bombes LS6 ne sont pas des bombes à sous-munitions, donc bien penser à cette histoire de précision dans vos coordonnées. Moi je vous conseille d'utiliser Scratchpad ou un outil du même style qui permet de rentrer des coordonnées les plus précises possible. Voilà, donc maintenant il ne reste plus qu'à se poser. Donc Machka, on est parti de Jelendeski ici, donc c'est le numéro 50, on va vérifier. On est bien, c'est ici qu'on va se poser, donc numéro 50. Donc hop, Shift K, vous appuyez sur la flèche devant FPA. Vous appuyez sur Bingo, vous rentrez ici 50, vous faites Entrée, voilà. Vous appuyez sur Bingo ici, vous faites Approche, et vous avez votre approche qui est affichée Return. Donc là, on est bien pile poil sur le cercle, il faut qu'on descende tout de suite, qu'on prenne à gauche. Voilà, c'est le cercle d'approche. On va se mettre sur la touche A. Voilà. Et on va s'aligner pour... On est très haut. Là, l'intérêt à perdre de la vitesse et de l'altitude. Voilà la piste. Donc je suis un peu trop à droite. Ici, j'ai cette barre qui m'indique qu'il faut que j'aille vers la gauche. Et quand elle va basculer sur la droite, ça veut dire que je viendrai de couper l'axe de la piste. Voilà, j'ai coupé l'axe de la piste. Je me recale à peu près, et puis voilà, on finira vu. On a de toute façon le petit carré qui est ici sur l'aéroport. Quand il y a des tacans, quand il y a de l'ILS, tout peut être réglé automatiquement par cette procédure. Par contre, ce que l'on ne peut pas faire directement ici, c'est choisir l'axe d'approche. Il nous en propose un. Il y a une autre méthode pour le faire, mais je n'en parlerai pas ici. Donc voilà. Bon vol à vous et à une prochaine fois si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas que le PDF qui reprend cette procédure et bien d'autres, son lien pour le téléchargement est en description de cette vidéo. PDF qui est ici. Alors on va sortir le train peut-être. On approche un peu vite. Altitude, altitude, altitude.
C'était juste.